moi je ne vais pas m'asseoir, que je vois un neuneu qui n'aime aucun Guinéen. Parce que quand je dis là, il n'aime pas les sous-sous, on va dire que je suis en train de défendre les sous-sous. Qui va manipuler un Kassori, parce qu'il a engrossé la fille de Kassori, juste pour faire croire au gars qu'il peut le faire sortir en prison et le mettre président. C'est pourquoi Kassori est à la clinique Pasteur. Pourquoi? Pour quelle fin? Tout le monde sait qui est Amara. Tous les jours de sortie là, contre Amara, je sais que beaucoup n'aiment pas, mais je continue dessus pour voir la réalité. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est sûr et certain, Amara a mis la fille de Kassori enceinte. Amara est qui? Amara, membre du CNRD, vice-président du CNRD. Amara est qui? Amara, c'est celui qui a enfermé nos cadres. Aujourd'hui, on parle de force vive. Partout où on va entendre le nom de Amara, on va parler de ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, je ne prends pas un conseil. Si quelqu'un veut me conseiller, tout le monde connaît mon numéro, tu m'appelles, tu me conseilles. Mais moi, je ne suis pas têtu. Donc, en gros, le CNRD, l'objectif est bien fixé, bien visé. Pendant que vous êtes en train de crier, eux, ils sont en train de préparer l'après-CNRD. Parce que Baoui, là, sera même le premier ministre après CNRD. Parce que Baoui est venu organiser l'élection spéciale pour celui que le CNRD a choisi pour être le prochain président. Assurer leur arrière, et pour ça, le deal pour le doyen Baoui, il va être reconduit par le président qui sera élu, c'est-à-dire le président choisi par le CNRD. Et ce président aura pour business de faire reconduire Baoui. C'est comme au temps du président Prak Alpha Condé. Quand il y a eu élection en 2010, quand le Prak a gagné le pouvoir, il y avait les ministres du CNDD, c'est-à-dire les ministres qui étaient avec le général Sékouba Konaté. Ces ministres-là ont été maintenus parce qu'il y a eu deal entre Dadis et le président Prak, politiquement. Mais gars-là, il faut les garder. C'est pourquoi vous avez vu Claude Pivi qui a été nommé, voilà, qui a été resté aux côtés du Prak, et le Kébourou a été maintenu, départ. Papa Koli a été maintenu, ainsi de suite. Donc, le pouvoir, c'est ça. Si on veut ce pays, que ce pays, ça change, qu'on arrête de souffrir dans les mauvais trucs, il faut taper là où ça fait mal. Qu'on dit que moi, je parle de ça, c'est pas moi qui a parlé de ça. C'est quelque chose que Dieu a voulu que ça sorte maintenant. Sinon, la fille, elle a fait 9 mois de grossesse. On est en train de cacher ça. 9 mois de grossesse, on est en train de cacher ça. 9 mois de grossesse, on est en train de cacher. L'enfant est venu au monde. L'enfant aujourd'hui a des mois, presque une année même, ou même a dépassé une année. Maintenant, qu'est-ce que cela apporte à Kassori? Que Amara le manipule, pour quelle fin? Qu'on laisse Amara manipuler Kassori, on ne dit pas ça. Après, c'est pour dire que Ko, c'est vie privée. Hein? Ce qui est sûr et certain, pour affaire de Guinée, là, soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble. Je le dis toujours. Moi, je ne suis pas là. C'est-à-dire, c'est pourquoi certains de mes sorties, des gens pensent que, quand je fais des commentaires, des gens pensent que ceux qui sont têtus, parce que,
quand on n'est pas têtu, on peut facilement comprendre. Je dis et redis que je mène ce combat dans, c'est-à-dire, la partielle, il y a juste tout le monde, ce que tu mérites, c'est ce que je vais dire. Aussi simple que ça. Quand on parlait de vie privée, si on veut parler de vie privée, on parle de vie privée sur tout le monde. Tout le monde, personne n'a le droit d'être humilié. Personne, aucun être humain, ce n'est pas à nous d'humilier les gens. Je ne suis et ne serai jamais d'accord qu'on humilie nos cadres, qu'on les expose, quels que soient les mal qu'ils ont commis, quels que soient les mal qu'ils ont fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, que les gens disent que Damaro parle de moi dans son live, moi je m'en fous de ça. Moi je ne vais pas clasher Damaro. Ce qui est sûr, vous nous avez tous vus ici. Et vous savez distinguer la sincérité des uns et des autres. Moi, je ne me cramponne pas sur un côté pour dire que oui, hey, c'est là-bas qui est bon. Il faut que quand le mal est là-bas, là, je ne vais pas dire que... Non, je ne vais pas dire le mal. Qui ne m'a pas vu ici critiquer UFDG? Qui ne m'a pas vu ici? J'ai bien donné. Hein? J'ai bien donné. Oui, ma colère à UFDG. Après, les gens ont dit que oui, je vais être opposé à UFDG, c'est patati, c'est patata. C'est ça. Quand on commet des fautes, quand nos leaders ne font pas de travail comme cela se doit, on doit le dire pour qu'il puisse changer. Un Amara qui a mis Kassori en prison, sa fille va aller faire enfant avec Amara. Mais où est l'opposition là-bas? Kassori est devenu le beau-père de Amara. Où est la logique dans ça? Après, c'est pour dire, c'est vie privée. Amara qu'on critique tous les jours, CNRD qu'on critique tous les jours, il est parti enceinter la fille de Kassori. Fille de Kassori. Jusqu'à présent, Kassori est en prison. Kassori est en prison, il n'est pas libre. Hein? Il est en prison. Où est la logique dans ça? Qui d'entre nous va enfermer son beau-père? Qui d'entre nous là va enfermer son beau-père? Même si la femme là, il n'y a pas de mariage entre toi et cette femme là. Qui d'entre nous va accepter ça? Et c'est la mère de mon enfant. Et c'est le grand-père de mon enfant. La maman là, sa mère a fait enfant pour moi. Où est vie privée dans ça? Amara, ça c'est Amara bandit. Je dis haut et fort. C'est lui qui est à la tête de toutes les machinations, que cela plaise ou déplaise. Apprêtez-vous, je vous lance ce scoop, parce que là, je vous avais dit que ça sera du boum 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 boum. Ou bien? Voilà. Peuple de Guinée, toujours, tout tourne autour de lui. Siriki, je vais poser la question. Où est Bernard Gomou? L'ancien premier ministre, Bernard Gomou, où il est? Où est-il? Siriki, où est Bernard Gomou? Je vais poser cette question. Si Bernard Gomou est en Guinée, moi, Kingaji, je veux le voir. Parce que il serait laissé partir au Canada. Taguez les autres ministres ici. Je dis et reprends. Vous avez vu qu'on a dit dissolution. Vous avez vu, on a dit gel des comptes. Vous avez vu, on a dit les clés des véhicules administratifs, le retrait des garde-corps et à la fin des passeports. Des passeports.
Un an. Où est Bernard Gomme dans tout ça? Taguez les anciens ministres, citez seulement les noms. Le nom des ministres qui vous vient en tête là. Ceux qui ont leur passeport saisi là. Ceux qui ne peuvent pas sortir aujourd'hui. Ceux qui ont leur compte gelé. Ceux qui n'ont plus leur véhicule administratif. Ceux qu'on dit tous les jours de quitter les maisons. Dans les maisons. Comment on appelle? Administratif du ministère. Désolé, je mange là. C'est pas professionnel. Mais ça met de l'ambiance. Où est Bernard Gomme? Où il est Bernard Gomme? Il est où? Il est où Bernard Gomme? En tout cas, aux dernières nouvelles, peuple de Guinée, Bernard Gomme serait au Canada, serait parti au Canada. Je dis et répète, aux dernières nouvelles, Bernard Gomme serait parti au Canada. Je pose cette question. Si réellement ce n'est pas vrai et qu'il est toujours en Guinée, moi je veux le voir et on veut le voir. Parce que ça ne serait pas juste qu'on laisse Bernard Gomme sortir du pays pendant que les autres anciens ministres sont toujours confisqués, emprisonnés, parce que quand on saisit le passeport de quelqu'un, quand on gèle le compte de quelqu'un, et qu'on dit à ces personnes-là, ne sortez pas, ça veut dire que c'est la prison. Où est Bernard Gomme? C'est ça. Mamoudou Naya Lembari, Gomme, Charles White, Guillaume Awing. En tout cas, Naya Lembari, j'ai dit et redit, ils vont envoyé à la CRIEF, Guillaume Awing, ils vont t'envoyer à la CRIEF, plein d'autres, ils vont vous envoyer à la CRIEF. Ça, c'est Siriki qui a la baguette de ça. La question que vous avez, que vous devez vous poser, c'est simple. Ça fait 3 jours, je suis sur Amara, et ça fait chaud. Amara est parti voir tous les féticheurs du monde, ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Et le scoop que je fais sortir sur lui là, son secret le plus gardé avec la relation avec la fille de Kassori là, il faut être vraiment un patriote pour apprécier ça. Parce que pourquoi? On a vu Kassori en prison. On crie pour qu'on libère Kassori. Mais, comme j'ai dit tantôt, où est la logique ici? Que un Amara qui a enfermé Kassori, qui est en train de machiner sur tout le peuple aujourd'hui, va enceinter la femme et la fille de Kassori. Donc vous voulez qu'on soutra ça quoi? Donc Kassori et Amara vont devenir des beaux en coulisses sans que le peuple ne sache la vérité pendant que Kassori est en train de souffrir en prison. C'est ce qu'on veut? C'est ce qu'on veut? Amara, au début de la relation avec la fille de Kassori, il pouvait tout faire pour relaxer Kassori. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait pour qu'on libère Kassori. Je ne suis pas contre Kassori. C'est ce que vous devez comprendre. Je ne suis pas en train de diminuer Kassori. Je ne veux pas qu'on continue à manipuler les esprits. Parce que les sous-sous, c'est nous que tout le monde manipule. Nous, les sous-sous. Et on t'en a manipulé. Mais après, c'est pour vous dire... Ah, Mouna, Katafénal, Kounkassori, arrangement. Quel arrangement? Depuis la mort du feu général, là, ça n'a compté. Le sous-sou s'est laissé manipuler par des gens. Le sous-sou s'est laissé, les gens ont marché sur lui. Tout le monde veut se servir des sous-sous. Puis, Otamourounoua, son aura, Kolo, Kassori, Sargeli, Nyafirin, à Torofé, malgré Mbarafala. Aha, mengere a mousse sera bar baskot me. N'tana fala non dinara. Mais, khanou, amarabara fini bitanira. Kassori moula maratoro. Amoula maratoro son, CNR de Belaray. Parce qu'abara fini amara bitanira. Et puis amara soutenu.
Amanfa Amara soutenu. Hein? Aussi simple que ça. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, que cela plaise ou déplaise. Moi, je vais chercher, je ne vais pas chercher clasher à Anjou ici. Je ne suis pas dedans. Hey, Anjou, moi, je ne te clash pas, je ne suis rien dedans avec toi. Tu crois que tu es le champion. Il n'y a pas de problème, tu es le champion. Fais tes vidéos là-bas. Je vais faire mes vidéos. Je ne vais jamais te clasher, moi. Si tu veux me donner conseil, tu connais mon numéro, tu m'appelles, tu me donnes conseil. Mais si tu veux de la visibilité pour aller dire mon nom là-bas, va, tu dis mon nom, tu vas avoir la visibilité. Mais moi, je ne vais jamais venir m'asseoir pour dire ton nom, chercher de la visibilité, parce que j'ai dit que je ne vais jamais te clasher. Mon objectif, c'est bien fixé, ce qui reste clair. Soit on quitte tout le monde sur les réseaux, on laisse le CNRD continuer son chemin, soit on appelle un retour à l'ordre constitutionnel, et puis c'est fini. Aussi simple que ça. Sinon, Amara, avec tout le mal que Amara est en train de faire, qui va soutra Amara? Qui va soutra? En plus, la fille là n'est pas là. La fille là, elle n'est pas la seule fille que Amara a enceinte de. Ah, ah, c'est ce que vous allez comprendre. Moi, je pars étape sur étape. Elle n'est pas la seule fille là que Amara a enceinte de. On a parlé des trucs de maîtresse de Jordan ici. On a parlé de ça trop, nous tous, on a parlé de ça. Quand Jordan est parti, sa maîtresse est partie l'accompagner, on a parlé de ça. Mais ça aussi, c'est vie privée de Jordan. Mais quand il s'agit de Jordan, ah, on parle. Mais quand il s'agit des autres, vous voulez pas qu'on parle. Mais quelle est la logique dans ça là, Il y a quelle logique là-bas? Hein? Nous tous, on parle de vie privée de Jordan ici tous les jours. On dit Jordan. Moi, je dis Jordan, il est avec la sœur de Amara. Jordan, il parle avec ses trucs patati patata. Là, on parle pas de vie privée de. Car ou bien. Maintenant, je parle que Amara a enceinté la fille de Kassouri. On dit que c'est vie privée. Non, mais. Non, c'est chez nous, quoi, la Guinée, quoi. Ce qui est sûr, je suis sur Amara. Si Dieu sait que je suis sur la vérité, Dieu va toujours me protéger. Même aujourd'hui, des gens me suivaient dans Dakar. Je suis parti m'approcher jusqu'à devant eux. J'ai pris mon téléphone, je les ai pris en photo. J'ai dit, hey, partez au Haut Commissariat des Nations Unies. Je suis même pas sous la protection des Sénégalais ici. Le Sénégal est petit dans ma protection. Hein? Il n'y a pas ce que Amara n'a pas fait et ou ne continue pas à faire pour que on m'envoie à Conakry. Il n'y a pas ce que Bala Samora n'a pas fait pour qu'on m'envoie à Conakry. Il n'y a pas ce que Ousmane Gawal n'a pas fait pour qu'on m'envoie à Conakry. Dans ce combat-là, soit on reste ensemble, soit on ne reste pas ensemble. En tout cas, ce qui est sûr et certain, s'il s'agit de cette Guinée-là, de tous côtés que cela va venir, vérité ou mensonge, on doit le dire pour l'intérêt général de ce pays. Je cherche le rassemblement, moi. Je ne suis ni contre le RPG, ni contre les autres partis. Je ne cherche à rentrer en clash, ni avec Paul, ni avec Pierre. Je suis là, je reste droit dans mes bottes, je fais mes révélations aussi simples que ça. Pour que cela, parce que eux, le mal qu'ils sont en train de faire au peuple, la Guinée aujourd'hui n'a pas de courant, la Guinée aujourd'hui n'a pas d'eau, tout le monde souffre. Les gens sont en train de vivre l'un des ramadans les plus pires de l'histoire de notre pays, la Guinée, avec ce manque de courant. Et le courant ne part pas, c'est quand les gens viennent pour couper le jeûne. Le courant ne coupe pas, c'est au moment que les gens viennent pour couper le jeûne. Il n'y a pas de courant. Ceux qui nous font le mal là, on n'a pas de fouet pour aller les frapper. On ne peut pas les prendre, les conduire en prison. On ne peut rien contre eux si ce n'est de dénoncer leur forfaiture qu'ils pensent que c'est caché. C'est ça, c'est ce qui les empêche de dormir. Depuis 3-4 jours, Amara ne dort pas parce que
j'ai fait sortir ces dossiers dans le tiroir. Et ces dossiers-là, je les avais depuis. Siriki, tu peux en être sûr que tous ceux-là, tous ces dossiers-là, ne sont qu'une infime partie. Hein? C'est là, je suis en train de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aussi simple que ça. Abat la manipulation des sous-sous. Abat. Soso est manipulé, fait radan. Migriyomu soso est manipulé, ma bori, ma soye sonon. Migriyomu soso est manipulé, ma ntando, ya rori. Je suis sous-sous. Je suis fier de l'être. Et je suis guinéen. Je suis fier d'appartenir à l'UFDG. Je reste demain droit dans mes bottes. Et rien ni personne ne pourra changer ça. Inch'Allah. Qu'Allah me donne, continue de me donner cette force-là. Aussi simple que ça. Donc, je pose la question à Siriki. Joran, tu peux être bon. Tu es au courant de presque bon. Pas de tout, mais un peu. Je pose la question, où est Bernard Goum? Parce qu'au dernier nouvelle, le même Amara l'aurait laissé partir au Canada. Si ce n'est pas vrai, on veut le voir. Voilà, pour le bien du pays. Mais on veut le voir demain. Pas 48 heures après, pas 72 heures après. Parce que 48 heures, 72 heures après, on peut quitter le Canada pour allier Conakry. Parce qu'on dit, Agi a dit que tu es parti, donc il faut revenir. C'est ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que avant-hier, je vous ai montré vidéo que Amara n'était pas à la présentation, la salutation, la prise de contact, la Baouri avec ses ministres. Normalement, le jeudi, il devrait y avoir interministériel, le conseil interministériel. Mais ça n'a pas été fait. Tout ça là, ça ne vous dit pas quelque chose? Et depuis, Amara a disparu. Depuis, Amara a disparu. Soit on critique tout le CNRD, soit on laisse. Voilà. Mais je ne vais jamais soutenir, même si c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui, tu vas envoyer nudité de Jordan, je ne vais pas soutenir. Je vais critiquer Jordan, dire les forfaitures de Jordan, mais je ne vais jamais adhérer à l'idée qu'on humilie Jordan ou qu'on met Expo Jordan ou un autre cadre, Marabama, Mabé. C'est ça, mon soutien pour Charles White ici, c'est ça qui a donné tourmentise aux gens, beaucoup de gens, parce que les gens pensent que oui, je ne devais pas défendre Charles White. Qui va accepter qu'on prend les photos nues de son frère, même de son dernier ennemi, qu'on met ça sur la toile? Qui va accepter ça? Donc, peuple de Guinée, Amara Baraka, sore radira furu. Voilà, mais, ouah, mais fait. Abarara furu, Ayambara Dibari. La fille, elle s'appelle Nancy. En plus, elle était mariée. Son mari, c'est un Thompson. Thompson. Son mari, c'est un Thompson. Khamem Faina Naya, tout fin. Malgré que Falama Naya, Ajigolo Nara, Amo Karanga, Amo Sobe Soi. Mais, la fille, elle était mariée à ce dernier. Jamais de la vie. Womou Lambanou, Soso famille aura lu Amara a manipulé, a rafala ka sore la mini fe gili, aura Amara soutenu, a rafé kobi rouma. C'est vrai, le samedi soir, j'ai voyagé avec Amara dans le même vol jusqu'au Maroc. Tu vois, quelqu'un a mis un commentaire ici. C'est vrai, le samedi soir, j'ai voyagé avec Amara dans le même vol jusqu'au Maroc. Il est parti au Canada peut-être. Peut-être c'est lui qui a amené Gomo avec lui. C'est lui qui a amené Gomo avec lui. Hein? Donc, peuple de Guinée, moi et Ansu. Bon, Ansu, il va voir la vidéo. Ansu, nous avons une classe. Nous avons une classe. Si je veux te conseiller, je vais t'appeler. Mais je ne vais jamais aller. Je ne vais jamais sortir, même si Guy Fébar a fait après CNRD, je ne vais jamais plus jamais m'asseoir, faire clash avec toi. Parce que toi et moi, à un moment donné, on s'est unis. Et pour moi, jusqu'à présent, on est unis pour faire un même combat. Donc moi, je n'ai aucun mauvais sentiment, ni même de mauvaises idées envers toi. Tu restes mon frère,
on sera toujours ensemble, aussi simple que ça. Je reste droit dans mes bottes. Voilà. Non. Merci, peuple de Guinée. On a pris assez de temps, on a fait 30 minutes de live. Je sais que vous voulez qu'on continue, mais ces débats-là, c'était consacré à ça. Mais le live que je voulais faire, c'était pour poser la question où est Bernard Gomou. Parce que voilà, voilà, voilà. Donc, ils vont les appeler là, de revenir vite fait. Ils vont revenir, c'est-à-dire ils vont les appeler. Hey, on a su que vous n'êtes plus là, le jeune a dit ça sur les réseaux, il faut revenir. Donc, c'est ça, où est Bernard Gomou au Canada. Si c'est faux, tant que quelqu'un, tu vas venir mettre ici, mentir, je te bannis. Parce que tu ne vas pas dire menteur, mais tu viens regarder. Si toi, tu regardes, moi, je te bannis pour que tu sois tranquille. Donc, c'était ça. Le peuple conscient, que Dieu nous assiste, nous aide. N'tara kasori. On aurait été dans mes yeux. Je souhaite mon heure où on est dans mes yeux. Parce que Billy, on est dans manipulement. Un ennemi des sous-sous. Quelqu'un qui a dit à son propre père. Abara Kamara. Quand on l'a nommé ministre, vous savez, quand on nomme quelqu'un ministre, les gens partent danser chez lui. Les gens partent faire la fête chez lui. Qui a vu ici une fête chez Amara? Qui a vu? Vous savez pourquoi? Ça n'a pas été fait. Hein? Parce que domicile familial, chez son père, là où il a grandi, c'est Bonfils. Et Bonfils là-bas, c'est chez les sous-sous. C'est chez les sous-sous là-bas. Comme tellement que le gars, il a la haine pour les sous-sous. Tellement qu'il n'aime pas les sous-sous. Quand on l'a nommé, il a appelé son père. Il a dit, papa, fala megio na siga wongwa indira safari boro. Moi, ma megio, so so yora siga meni. Amara l'a dit à son père. Megi nege birin siga yora san yala reine. Amara barati. Et fala ne ne wo, non, wo siga. Ça même, c'est loin. Depuis 2 ans, le gars, il est secrétaire général à la présidence. Vous pouvez citer tous les ministres aujourd'hui qui ont fait quelque chose pour les membres de leur quartier, même si Eboumoua Omenere. Mais là où Amara, il est né, il a grandi chez les sous-sous là-bas, à Bonfils. C'est eux qu'il a pris comme premier ennemi. Sosué. Il n'a rien fait pour ces jeunes-là. Il n'a rien fait, il ne veut même pas entendre parler des jeunes de Bonfils. Bonfils qui est dans Abbé, Ramoulé et Falawa. Bonfiké, on y vide tout. Ramoule, wa, fala, moule. Amara, moussera, ba, robe. Amara, jeune, moundou, ton gore, bonfi. Amara, sosodi, me di, moundou, maliri. Amara, moussera, ba, sosodi, me di, ben. Cesse, amara, ba. Amara, ba, ma. Nanan, sa, moundan, sosue, mouma, guine, sosue, ra, fourma. Hein? Anaram, baba, sa, geli. Amanga, fala. Atan, katafe, naranara, minarana, fin, di, mengera. Poré. Birin sosue finira nyo kui basera. Nabara dan. Namura bama be sonon. Sonon. Amura bama be sonon. Ha alati inshallah. Ala sima nou sante afirma. Na be. La voix de sans voix. Amura bama be sonon. Oh. Quelle est la logique? Quelle est cette logique là? Ambara kamara raka. Sore radi da furu. Na fe galou fouyan. Mi gana fe falera falamu falama. Quelle est la logique là bas? Hein? Amara qui est vice-président du CNRD. Quelle est la logique? Au logique, ma c'est meba. Mettez la logique ici. Au logique, ma c'est meba. Amara bara kasori radira furu. Nara fe anyema mou falama. Ou rana logique ramini. Aussi simple que ça. On a logique ramini. Hein? Kasori ma daoufana a servir kasori ra. Amamfa kasori sa geli. Amamfa gesolo. Nabiri mouhura. Nabiri mou. Ça a satisfait avant parce qu'avant ça n'a rien dit à Fouti Kana. Il a détruit le mariage de celle-là. Il a détruit le mariage de celle-là. Parce qu'il a pouvoir ton aïra. Hein? Alabé. C'était votre frère, Kinga J 224, tout tout fort. À très vite, Inch'Allah. Bonne nuit.